Marco, c'était un match, tactiquement, vous l'avez parfaitement mené. Quand il a fallu taper au pied, on a tapé au pied. Quand il a fallu jouer devant, on a joué devant. Quand il a fallu écarter, vous l'avez fait aussi. Ouais. Je dis plutôt, encore une fois, un état d'esprit collectif remarquable. On se retrouve à jouer une mi-temps et un peu plus à 14. Et encore une fois, l'équipe a montré le nécessaire pour pouvoir l'emporter. J'avais dit la semaine dernière que c'était le déplacement à Aurillac. C'était un test pour savoir si on pouvait jouer le haut du tableau. On a ramené cette victoire, ça fait beaucoup de bien pour tout ce qui est le travail, la confiance. Donc aujourd'hui, on gagne avec le bonus, ça faisait très longtemps. Et c'est un moment exceptionnel et incroyable. Un bonus à 14, c'est encore plus de saveur qu'un bonus habituel. Ouais, c'est un bonus. Et on a, encore une fois, on n'a rien lâché. Et j'ai pas vu l'action, mais apparemment c'était pas un carton rouge. Encore une fois, les décisions arbitrales ils peuvent basculer la rencontre. Donc nous on est très satisfaits et on va profiter de ces moments parce que comme vous savez, on n'en a pas souvent. Est-ce qu'aussi malgré le bonus offensif, c'est pas la victoire de la défense ce soir ou c'est le premier clean sheet de la saison? Ils étaient sans solution face à votre défense, on avait l'impression. On avait une stratégie. Je pense que jusqu'au moment où on a pris le carton rouge, on a respecté à la perfection. Après, il y a eu des adaptations parce que par rapport aux couvertures et tout ça, il fallait adapter. Je suis très heureux de... Est-ce que c'est pas justement la clé, c'est cette adaptation que vous avez cette saison? Oui. Nous, on a un plan à suivre. Pour l'instant, ça se passe bien et j'espère que ça va continuer. Parce que si on continue comme ça, il n'y aura que des belles choses. Tu disais qu'on avait un plan défensivement. C'était quoi la stratégie face à cette équipe? Et on savait que c'est une équipe déjà très massive. Donc, il fallait les arrêter pour pas qu'ils gagnent la ligne d'avantage et puissent développer leur jeu. Ils ont un beau jeu de mouvement, donc encore une fois, ouais, la défense a pris le dessus et c'est sûr que ça nous a aidé pour récolter ce point de prestigion. Les autres, c'est les molles, trois essais quasiment derrière molles. Les molles, j'ai envie de dire que ça fait déjà un petit moment que c'est un bon atout de l'équipe. Donc, on va continuer à s'appuyer dessus et en espérant que marquer plein d'essais. Merci Marco. Merci.